Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués, chers camarades. Je ne suis pas en forme, je ne suis pas en bonne santé, hein, frère. Voilà, je ne suis pas en forme, hein, mais il faut que je fasse le direct. Parce que, Roman, mais les gens sont là attaqués, Poutine. Ils sont rentrés comme ça. Rentrés dans Moscou même pour aller attaquer un conseil. Ah, tiens. Un conseil de Poutine. Ils sont là attaqués. Ils ont tiré. Oh, ils tirent comme ça. Sur les civils, sur les innocents. Mais, Euroman. André, ils ont pris un dedans. André, ils ont pris un. Parce que les gens disent c'est quatre, c'est pas quatre. Hein. Ils sont venus boigner, ils sont nombreux. Hein. Il y en a qui étaient derrière, il y en a qui sont il y en a qui guettaient, il y en a qui sont passés à l'action. Mais, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Au-delà de ça, chers camarades d'Afrique, Alassane Ouattara et puis Macron. Se sont parlé aujourd'hui sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Et puis les bases militaires. Les bases militaires. Non, cher camarade, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais vous montrer un peu. Bon, est-ce que ça vaut la peine de montrer des images? Hein? Vas-y le conseil. TikTok, vous voyez pas, hein? Facebook, c'est Facebook. Hein? Non, allez là. Poutine est fâché. Poutine est fâché. Allez là. Il est fâché. Ça, je vais vous montrer ça là parce qu'il y a des corps. Il y a des corps dedans. Il y a des corps qui gisent. Regarde comment les gens sont en train de courir. Allez, doucement, 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 doucement. Mais TikTok là, quel problème aujourd'hui là? Regardez, c'est eux qui sont là, hein. C'est eux qui sont là. Hein. C'est quatre qui sont rentrés, quatre. Croscus, City Hall. C'est là-bas l'heure. C'est là-bas il y avait le conseil aujourd'hui. Il y a un, André, il y a un qui a été arrêté. Ça, c'est. Ils ont pris un. Ah oui, lui, il est dans les mains. Hein? Et tiens, mais lui va.
Et Jem, lui va comprendre. Non, lui va comprendre qui a mis de l'eau dans le coco. TikTok. Tapoté. L'État islamique qui est dans le Sahel. L'État islamique qui est dans le Sahel. Hein? C'est lui qui est allé, qui a revendiqué l'attaque. L'État islamique que les Assimi Goïta la combattent là, c'est lui qui a revendiqué l'attaque. Vous comprenez ce qui se passe comme rappel d'Afrique? Vous comprenez ce qui se passe? Hein? C'est-à-dire que la grande Russie, première puissance nucléaire, les gens arrivent à l'attaquer là-bas. Mais il faut dire qu'il y a un complot derrière. Mais on va vous expliquer ça. Je vais vous expliquer le complot. Mais déjà, il faut qu'on tire une leçon. On tire une leçon, chers camarades. L'Assimila, c'est des durs. Les Ibira, c'est des durs. Les Tiani, là, c'est des durs. Ceux qui, quand les terroristes attaquent le Burkina Faso, quand ils attaquent le Niger, quand ils attaquent les pays de l'AES, ceux qui disent qu'ils sont nuls là, voilà, ils sont allés jusqu'au cœur de Moscou. C'est pas en Russie, à côté, non. Ils sont allés au cœur de la Russie pour attaquer. Mais dans le contexte actuel, chers camarades, depuis la semaine passée, il y a des attaques de drones sur le territoire russe. Écoutez très bien, hein? on va développer petit à petit. Depuis la semaine a commencé là, il y a des attaques de drones sur le territoire russe. Aujourd'hui, la Russie a fait des frappes massives. C'est-à-dire que la Russie est en train d'avancer, c'est-à-dire que à une vitesse grand V dans les territoires ukrainiens. Allez où je vous parle. Mettez les cœurs, Facebook, s'il vous plaît. La Russie a lancé des frappes massives aujourd'hui en représailles à ce qui s'est passé cette semaine-là en Russie. La Russie a lancé des attaques massives sur l'Ukraine en représailles à ce qui s'est passé aux attaques de drones qui sont déroulées en Russie, en territoire russe. Vous comprenez ça? Et au même moment, suivait une attaque terreau-terreau. Vous comprenez ça? Mais cette attaque terreau-terreau-là est revendiquée en même temps, même pas une heure, deux heures après, dès qu'on apprend net. Pendant qu'on suit les infos, pendant que les infos arrivent, en même temps, on apprend que l'État islamique a revendiqué. Bon. On sait aussi que les Occidentaux étaient en train de prévoir ce genre de choses. Aujourd'hui même, l'Union européenne a pris une décision qui est d'utiliser les intérêts de l'argent de la Russie qu'ils ont gelé là. Le margot de la Russie qu'ils ont gelé ici là. Parce que ça, quand ça arrête dans les banques, ça produit des intérêts. Donc les intérêts là, ils ont utilisé ça, des milliards, pour payer les armes pour aller donner à l'Ukraine. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont passés à un autre stade concernant leur aide à la Russie, à l'Ukraine. Aujourd'hui même. Qu'ils ont pris cette décision. C'est aujourd'hui qu'ils ont pris cette décision. Et au même moment, survient cette attaque terroriste-là. Chers camarades. Alors que nous savons que le Mali a déposé des plaintes contre la France aux Nations Unies. Pour dire que la France a aidé les terroristes au niveau du Sahel. Nous savons ça. Le Mali a dit ça, les preuves sont là. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord, non? D'accord.
Nous savons aussi que les États-Unis ont sanctionné une entreprise française qu'on appelle Lafarge pour financement du terrorisme dans le Moyen-Orient, en Syrie. Je rappelle que l'État islamique a leur base là, c'est Syrie, Irak, Turquie. Syrie, Irak, Turquie, c'est leur base qui est là. Vous comprenez ça? On se rappelle de tout ça. Et au moment où Macron parle de on va attaquer la Russie, on va envoyer. Bon, il dit on n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol en Russie pendant que l'Ukraine devient vénère et attaque sur le territoire russe avec des armes, on va dire, occidentales. Tout ça, au même moment, il y a attaque terroriste. Chers camarades d'Afrique, il ne faut pas qu'on aille chercher loin. L'État islamique, là, c'est un pigeon. L'État islamique n'est qu'un pigeon. En réalité, là, les vrais commanditaires de cet attentat-là sont en bas. Les vrais commanditaires de cet attentat-là sont en bas. Ouais. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Et vous allez venir me dire que je vous ai dit. L'État islamique, là, qui les gère? Ils ont des patrons. Mettez les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs, c'est pas bon. Quand vous ne mettez pas les cœurs, c'est pas bon. Le direct est signalé. Hein? Vous êtes assis, vous ne mettez pas les cœurs, chers camarades. Pas bon ça. Vous comprenez? Voilà. L'État islamique dont on parle toujours là. Mais est-ce qu'il fabrique armes? Il fabrique pas armes. Quelqu'un les finance. Et on a pris des gens la main dans le sac en train de les financer. Et eux-mêmes sont dévoilés en train de financer les terroristes. Voilà. Ça c'est une réalité. Donc vous allez comprendre derrière à un moment donné qu'en réalité là, les vrais commanditaires de cette affaire-là sont là. Et le nom va sortir. Voilà. Quand j'ai dit ça, on attend les nouvelles, on attend les informations. Mais j'attends. Quand j'aurai d'amples informations, je vais venir vous voir. Vous voyez, le direct est quasiment attaqué. Le direct est quasiment allumé. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Au-delà de ça, nous avons appris aujourd'hui qu'Alassane Ouattara et puis Emmanuel Macron se sont rencontrés. Le président français Emmanuel Macron aura un dîner avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce vendredi 22 mars 2024, selon Africa Intelligence. Au menu de ce dîner, la situation en Afrique de l'Ouest et l'avenir de la présence française dans la région. Voilà. La situation en Afrique de l'Ouest et puis l'avenir de la présence française dans la région. Vous voyez, chers camarades d'Afrique, Alassane Ouattara est venu en France depuis combien de temps? Il est venu depuis vendredi passé. Hein? Aujourd'hui est vendredi. C'est une semaine, jour pour jour. Il n'avait pas encore eu de rencontre officielle avec Macron. C'est aujourd'hui, il a la rencontre officielle avec Macron. C'est-à-dire qu'il prend audience. Il vient s'arrêter devant la porte pour pouvoir parler à Macron. Alassane Ouattara, je ne sais pas. Déjà, ce monsieur-là, c'est une honte. Alassane Ouattara est une honte pour l'humanité, dans un premier temps. Deuxièmement, lui seul, il vient parler de la sous-région. Pourquoi? Lui seul, il vient parler de la sous-région avec Macron. Pourquoi? Il vient parler de la sous-région avec Macron, non? Il vient parler des terroristes. Comment ils vont faire pour alimenter plus le terrorisme dans la sous-région? Comment ils vont faire pour donner les armes aux terroristes? Parce que ça chauffe sur les terroristes là-bas actuellement dans le Sahel. On les jette. Donc, Draman, là, son rôle aujourd'hui, là, c'est de venir prendre les conseils. Comment faire pour donner les armes aux terroristes? Comment faire pour leur donner à manger? Comment faire pour leur donner un dortoir? Comment faire pour leur donner ceci? C'est ça, le Draman, les vieux maudits, là, démons, là. Vieux Waworo, Kushido, là.
porteur de couches Pampers. Vieux Kojuku. C'est ça qu'il est venu faire ici. Maintenant, en contrepartie, Macron peut le soutenir pour sa candidature. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Les gens de Tiam, là, moi je le dis, les Macron, là, les dirigeants, là, eux, là, c'est-à-dire que c'est un couteau, et ils sont toujours couteau à double tranchant. Ils coupent ici, ils coupent là. Et ils peuvent être avec Ouattara et puis être avec Tiam. Ils peuvent assurer à Tiam pour dire non, c'est toi, on va prendre, on va enlever Ouattara. Mais si la situation change, il peut prendre Ouattara pour laisser Tiam. Donc vous là, vous les gens de Tiam là, les petits ouré ouré là, vous là, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous levez pas pour combattre là, si vous pensez que le pouvoir en donne là, asseyez-vous, vous allez prendre Tra. Vous allez comprendre qui a mis dedans Coco. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu de quoi il s'agit. Vous comprenez ça? Voilà un peu de quoi il s'agit dans notre région. Tu viens, un vieux Waworo comme ça. Tu n'as même pas honte. La vie est chère sur les Ivoiriens. La seule chose qui est dans ta tête, comment faire pour se maintenir au pouvoir? Un vieux maudit. Hein? La seule chose qui est dans ta tête, là, comment faire pour se maintenir? On va te chasser avec caillou. Tu n'as pas quoi? On te chasse avec caillou. Vieux démon, délinquant, brigand, coupeur de route, voleur. Voleur d'œufs au marché. Voleur de piments. Waworo. Kojougou là. Donc, chers camarades, voilà entre autres ce que je voulais vous dire sur Facebook. Mais ne soyez connectés. Hein. Dès que j'ai d'autres informations, dès qu'il y a d'autres informations, je vais venir vous donner les informations par rapport à ce qui se passe en Russie. Parce que Poutine n'a pas encore parlé. Mais Medvedev, dès que l'attentat s'est passé, Medvedev a dit que si c'est les gens de Kiev qui sont derrière là, hein, ils vont aller jatter tous les gens de Kiev. C'est ce qu'il a dit, hein. Il dit la Russie va aller jatter tous les dirigeants de Kiev là, ils vont les jatter tous. Ouais. Dès qu'ils ont dit ça net là, ça n'a pas fait une heure. Même pas quelle une heure, mais ça n'a pas fait 30 minutes. L'État islamique a revendiqué. Ça veut dire que il y a un Guy Souroche. Je connais Barak Yalou. Mais on regarde la suite. Et eux, ils vont mener des enquêtes. Poutine va mener des enquêtes pour voir. Donc nous exprimons toutes nos solidarités envers le peuple russe. Voilà. Toutes nos solidarités envers le peuple russe. Nous condamnons avec la dernière énergie cet attentat, je dirais, honteux et odieux et démoniaque. Vous tous, vous allez en enfer. Dieu va vous brûler là-bas. Bande de Waworo. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Gaulle 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Voilà.